Business comes in all sizes. Customers may be just around the corner from your company, or halfway around the globe in faraway markets. From single standard shipments to large volume transports, complex logistics, and supply chain solutions, DSV is but a click or a call away. In more than 80 countries around the world, on land, by air, or by sea, we protect your shipment and support your need for speed. Even heavy cargo is easy to handle with our online services, and our experts are used to addressing the elephant in the room. So if you think big, you should think DSV. We offer a competent partnership that gets things moving. For small startup businesses, for large corporations, for anyone with towering ambitions. You need it, we move it. Bonjour à tous, ça va, vous êtes bien installés? Alors c'est l'heure un peu complexe après l'heure du déjeuner. Donc moi je m'appelle Isabelle Fayol, je suis journaliste animatrice et on va accueillir donc nos trois binômes pour ce forum des transporteurs. D'accord? Donc on va tout de suite. Alors vous avez à votre disposition de quoi poser les questions, mais comme on est là en vrai, en présentiel, comme on dit aujourd'hui, si à un moment donné vous voulez relancer, vous posez une question, n'hésitez pas. Est-ce que tout le monde est bien installé? Ça va? Alors, ce forum des transporteurs, on est sur... ça a été reporté plusieurs fois, comme vous le savez. On garde les thématiques qui étaient dans TRM, le guide. Et on fait un petit coucou à Wilfried Mézy au passage. Parce que c'est lui qui avait préparé cette table ronde. Et j'ai récupéré la patate chaude. Donc le sujet, c'est transmettre à ces donneurs d'ordre des informations précises, fiables, en temps réel. Et là, on va avoir, pendant cette table ronde un peu particulière, trois binômes avec un transporteur et son partenaire technologique, apporteur de solutions. Ces partenaires technologiques, c'est des éditeurs de logiciels, c'est des éditeurs d'informatique embarquée. Et on va pouvoir avoir un feedback de comment on fait aujourd'hui, quand on est transporteur, pour avoir des outils numériques et digitaux qui peuvent accompagner votre croissance. On va tout de suite commencer par Monsieur Bertrand Caille, qu'on ne présente plus, donc PDG du groupe Caille, avec Fabien Dussert. Fabien Dussert, bonjour, merci d'être avec nous. Les micros sont tous allumés normalement. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci d'être avec nous. Fabien Dussert, vous êtes donc directeur France de Trimble. Et c'est vous qui ouvrez le bal et qui allez nous présenter en fait votre collaboration. Sur cette table ronde, on aura également après Monsieur Vincent Lesage du groupe Berger. Nous aurons également Serge Gautron, directeur commercial de AdSecure. Nous avons également Rémi Vallée qui est directeur des opérations pour le groupe Xiric et Victor Gonzalez. Bonjour, qui a parcouru 600 ou 700 kilomètres, je crois, un peu au débeauté tôt ce matin pour venir intervenir à nos côtés. Donc, merci beaucoup, Victor. Alors, je vous laisse commencer. Le premier binôme, Monsieur Bertrand Caille et la solution, donc Trimble, c'est vous qui ouvrez le bal. Voilà, bon. Donc Bertrand Caille, je suis le PDG du groupe Caille. On est une entreprise familiale qui a été créée en 1847, il y a 170 ans, et qui est à Lens, donc Lens en province, avec donc plusieurs activités pour pouvoir se développer. On a quatre activités principales qui sont le transport routier de marchandises, on fait partie du groupement Astre, la logistique avec des besoins plutôt régionaux, le déménagement, on fait partie également d'un réseau qui s'appelle Demeco, et on a 12 agences sur tout le quart nord-est de la région parisienne. On va de Beauvais, Amiens, jusqu'à Auxerre, Troyes, Reims. Et puis une dernière activité qui est l'archivage, où on fait de la gestion d'archives, numérisation et digitalisation et stockage d'archives dans des conditions particulières.
Le transport, je viendrai après pourquoi Trimbal. Donc dans le transport, hein, on est un généraliste, transport de marchandises, on fait du lot palettisé avec l'outil Astre Palette System, de la location de conducteurs avec chauffeur, et puis bien entendu contrôle qualité, et on a 180 moteurs. Nos zones de chalandise, c'est la France, principalement Rhône-Alpes et Pays de Loire, et le Nord, c'est-à-dire la ligne Le Havre-Mulhouse. En logistique, donc on a 55 000 m² d'entrepôt, préparation de commandes. On va passer sur cette activité qui ne nous concerne pas directement aujourd'hui par rapport à la problématique. Le déménagement, donc on a 12 agences. Et on va du déménagement de particuliers jusqu'au transfert administratif et industriel. Voilà. Donc, on a développé nos activités, mais comme on est multi-activités, l'objectif aussi, c'était d'arriver à standardiser et avoir des remontées d'informations qui nous permettent, pour l'ensemble de nos activités véhicules, c'est-à-dire principalement le transport et le déménagement, d'avoir une réponse à nos besoins et aux besoins de nos clients. Je prends le relais pour expliquer ce que propose Trimble dans le cadre de l'entreprise Kai. Comme disait Bertrand, 170 ans d'existence et de compétences transport. Aujourd'hui, ça donne un transporteur qui est actif sur vraiment une multitude de métiers différents. Et la difficulté de l'informatique embarquée, c'est d'être capable de s'adapter à tous ces besoins, toutes ces spécificités métiers. Alors chez Kai, c'est comme on vient de le dire, hein, c'est du complet, c'est du partiel, c'est également des tournées de distribution qui s'apparentent à de la messagerie, c'est transport exceptionnel dans le cadre du déménagement, transfert industriel. Trimble a répondu à l'ensemble de ces besoins. On a mis en place le projet depuis 2016 maintenant chez Transport Kai. Voilà. Excusez-moi, comment vous avez commencé votre collaboration? Est-ce que c'est vous qui êtes allé faire la danse des sept voiles au groupe Kai, ou alors est-ce que c'est vous qui avez repéré la pépite et... Alors en fait, on était en l'informatique embarquée, on l'a depuis 2006 sur un autre système qui était plus lourd et plus complexe. Et en fait, quand on a fait une recherche en fait, des solutions possibles qui pouvaient nous convenir, et il y avait cette problématique de flexibilité et multi-activité, et puis on va y parler après, il y avait toute la problématique sociale, remontée sociale, avec des remontées qui étaient complètement différentes pour le transport et pour le déménagement. On avait la problématique du passage de messages sur nos véhicules de façon unitaire ou générale, général transport, général déménagement ou général pour l'ensemble des conducteurs. Et en fait, Trimble est ressorti comme la solution qui nous convenait par rapport à ça. Merci. Alors, la flexibilité qu'a apporté Trimble, c'est d'abord en termes de composants informatiques embarqués. Trimble est capable de mettre un boîtier intelligent dans le véhicule pour des véhicules qui sont sur des activités basiques, entre guillemets. Le conducteur n'a pas besoin de recevoir de mission, n'a pas besoin d'utiliser une navigation. C'est certains conducteurs qui font de la tournée régulière de site à site, par exemple, pour certains chargeurs. C'est extrêmement régulier, tous les jours le même travail. Donc, on est capable de mettre en place juste le boîtier informatique de base. Après, on a mis en place chez Kai la solution avec tablette, donc qui vient se rajouter au boîtier du véhicule. Avec la tablette, on va être capable d'avoir une interface conducteur pour que l'exploitation s'adresse à son conducteur par le biais de messages texte, messages structurés dans le cadre de certains process internes, mais également toute la partie envoi des ordres de transport, où là, c'est évidemment encore plus structuré en fonction de l'interface TMS, on va en parler. Dernière chose, par rapport à certains conducteurs et encore une fois certains trafics, on a mis en place également une application smartphone, parce que chez Kai, il peut y avoir des tractionnaires réguliers, il y a des besoins spot sur certains véhicules, des activités un peu saisonnières en débord. Donc, la flexibilité en termes de matériel, comme ça, répond à l'ensemble des besoins. Après, il y a un deuxième niveau de flexibilité
et de modularité, c'est sur la compréhension des besoins métiers, des process métiers spécifiques à chaque activité. Et là aussi, chez Trimble, on a développé tout un tas de scénarios, de questionnaires pour les conducteurs qui sont très spécifiques. Exemple, dans le déménagement, il y a la gestion des équipiers, par exemple. Donc, chez CAI, il y a des questionnaires où le chef d'équipe, le matin, au lieu de lui poser la question « qu'est-ce que tu vas livrer comme palette ou comme marchandise ?», c'est des questions du genre « quelle est ton équipe aujourd'hui ?» Tu dois nous confirmer la liste de tes équipiers par rapport à leur contrat de travail. Il y a des questions particulières par rapport aux activités qu'ils vont faire dans la journée, par rapport au chantier du jour. C'est extrêmement précis, pointu et vraiment rien à voir avec du chargement de palettes, etc. Donc Fabien Dussert, on peut dire que c'est comme une forme d'audit un peu professionnel avec des FAQ. Qu'est-ce que vous vous posez le plus souvent comme question dans vos métiers pour l'intégrer en fait dans les solutions que vous proposez ? Ben, les questions, on se les pose lorsqu'on démarre le projet chez un nouveau client, et spécialement un client qui a une certaine taille critique, comme c'est le cas chez CAI, qui est important. On met en place un chef de projet dédié. Le chef de projet va faire les premières réunions, les réunions de pilotage, pour comprendre, justement, pour définir les besoins du client et adapter la réponse de la solution, parce qu'on travaille vraiment sur du spécifique client par client. C'est pas de la programmation, ça c'est un point important. On ne programme pas le logiciel Trimble au cas par cas, c'est juste du paramétrage client. Les fameux questionnaires, les scénarios clients, ils sont juste paramétrés. Ça, c'est une particularité de la solution Trimble. On a cette vraie souplesse. D'ailleurs, c'est ce qu'on cherchait. On cherchait une solution qui nous permette d'adapter les questionnaires, par exemple, comme vient d'en parler Fabien, d'adapter aussi les remontées d'informations. Parce que tout à l'heure, on a parlé du coéquipier en déménagement. Derrière, il y a normalement il y a un leak, mais l'avantage c'est que le système Trimble nous remonte directement le temps de travail, le temps des missions. Donc ça nous permet de faciliter énormément notre gestion sociale. Si on regarde les différentes, si on va dans le détail après concrètement en fait, l'avantage déjà c'est la géolocalisation. Mais c'est aussi l'envoi des OT, des ordres de transport directement, c'est-à-dire que le conducteur va recevoir son ordre de transport avec son horaire de chargement, son horaire de livraison, le contact éventuel, la messagerie interne entre les exploitants et les conducteurs, et puis derrière le suivi en temps réel du temps de travail qui permet de savoir si on va pouvoir aller faire le rechargement du soir ou s'il va falloir attendre le lendemain, etc. etc. Donc on arrive... Ça nous donne des aides aussi quotidiennes, en temps réel, à la prise de décision. Excusez-moi, Monsieur Caille, comment ils réagissent vos conducteurs ? Est-ce qu'ils voient ça comme quelque chose qui va les soulager ? Ou alors est-ce qu'ils râlent un peu au départ parce qu'ils ont l'impression qu'on va les surveiller, les fliquer, etc. Comment ils réagissent ? Alors, on n'a jamais eu ce type de problème. C'est pas, il n'y a pas de souci social à l'utilisation de l'outil. L'outil étant un outil aussi extrêmement sécurisé et qui leur apporte aussi énormément. À l'intérieur, vous avez un GPS intégré, vous avez des données quand vous n'êtes pas obligé de prendre un crayon pour noter le lieu de chargement. Enfin bon, ça se fait plus, ça, mais voilà. Enfin, ce que je veux dire, c'est que les conducteurs ont toute l'information sur eux. On va voir un peu d'autres applications, par exemple, qui sont intéressantes. On va avancer effectivement, mais sur l'acceptation des conducteurs, c'est une très bonne question. On n'est plus du tout dans le rejet comme on a pu le connaître au début de l'informatique embarquée, il y a 10 ou 15 ans en arrière. D'abord parce que l'entreprise CAI avait eu une première génération d'informatique embarquée. Donc ça, je dirais, il y avait déjà une expérience vis-à-vis des conducteurs, des utilisateurs. Ils ne partaient pas à zéro. Ensuite, le fait de mettre dans les mains des conducteurs une solution aussi évoluée que la tablette, ils ont vraiment un très bel outil. Ils ont plutôt l'impression qu'on s'occupe bien d'eux, finalement, et pas qu'on cherche à les pénaliser. L'entreprise les valorise. Parce que aujourd'hui, ils ont, sur leur smartphone, par exemple, ils n'ont pas cette taille d'écran, ils n'ont pas ces fonctionnalités aussi professionnelles. Donc,
ils sont vraiment valorisés. Et aujourd'hui, c'est comme ça que, en particulier dans les grands groupes, on a de plus en plus de succès sur par rapport à la solution qu'on propose, parce que il y a une réflexion générale, comme vous le savez, dans le transport. Qu'est-ce que je peux faire en termes de politique RH, en termes de politique RSE? Oui, l'attractivité métier du chauffeur routier est complexe. On en avait parlé avec Wilfried. Donc, il y a tout un tas d'initiatives qui sont déployées auprès des CFA pour aller voir les jeunes. A priori, mieux on les équipe, mieux on prend soin de leur santé et plus on leur facilite leur quotidien. Et plus ça va peut-être faire un appel d'air pour donner envie à certains de s'engager dans ces professions-là. Exactement. Alors, on peut peut-être passer aussi après sur d'autres fonctionnalités. Je voulais juste te dire sur ce premier slide, les fonctions basiques que vous voyez à l'écran, là, la plateforme d'exploitation Trimble, qui gère les fonctions basiques, géolocalisation, sociale, les messages d'émission, etc. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on voit dans toutes les solutions d'informatique embarquées. Le vrai plus de Trimble, il n'est pas là. Je voulais en parler, mais pour dire... Ça, je n'osais pas vous le dire, mais on a déjà vu ça quelque part. Voilà, exactement. Non, le vrai plus, il est, comme je l'ai dit, sur l'interface avec les outils, notamment TMS, donc l'envoi, le suivi des missions conducteurs. Là, on va beaucoup plus loin dans le détail et on vient se calquer sur le masque du TMS, le masque saisi du TMS, avec l'ensemble des informations précises, détail des marchandises, détail des plages horaires, détail des adresses exactes où le conducteur doit se présenter pour ses rendez-vous. Les particularités éventuellement sur le client, les numéros de téléphone, les particularités de ce qu'il doit noter, etc. S'il doit prendre une photo, il va avoir sa tablette qui va lui permettre de prendre des données en temps réel. Et là, par exemple, derrière nous, ça nous a énormément aidé sur tout notre service après-vente. Ça veut dire que quand nos conducteurs arrivent sur site en livraison ou en chargement, un chargement qui par exemple présente une anomalie parce que les palettes commencent à se coucher avant d'être chargées, il suffit d'une photo et on a déjà des éléments suffisants. Et nos conducteurs, on les a habitués systématiquement après chaque SAV à faire un débriefing avec eux et de voir comment, à partir de l'outil qu'ils ont et notamment de la tablette, ils pouvaient prendre des photos à un moment donné, puisque la photo, elle est timée. Et donc, nous, ça nous permet derrière d'avoir des réponses clients qui sont beaucoup plus efficaces, que ce soit au chargement ou que ce soit à la livraison. Bien entendu, c'est pareil. On peut aussi envoyer par l'intermédiaire de la tablette la lettre de voiture, si on veut faire une photographie de la lettre de voiture, si on en a besoin urgemment. Enfin, il y a plein de solutions possibles qui peuvent aider le conducteur. J'essaye de passer au slide suivant. Le slide suivant, c'est pour illustrer encore une fois la faculté qu'on a à répondre à des demandes spécifiques des transporteurs, de nos clients transporteurs qui eux-mêmes sont sous la pression de leurs donneurs d'ordre, les chargeurs. Aujourd'hui, la grande mode des chargeurs, des grands industriels, c'est de développer des applications qui leur sont propres pour avoir une chaîne d'information directe être capable de piloter eux-mêmes en quelque sorte la traçabilité de leur flux via les transporteurs avec qui ils travaillent. Ces applications, on a pris l'habitude maintenant chez Trimble de les référencer. Elles sont disponibles pour être intégrées sur la tablette Trimble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le conducteur, bien entendu sous le contrôle de Trimble pour les aspects sécurité des applications, ça c'est très important, mais également sous le contrôle du transporteur. C'est-à-dire que c'est Bertrand Caille qui décide de telle et telle application, de valider. Alors, c'est en fonction du rapport de force qu'il peut avoir avec son chargeur. C'est malheureusement petit une réalité. Petit sourire en coin de Monsieur Caille. Non, c'est très bien. Ça veut dire qu'on a notre mot à dire par rapport à ça, bien entendu. Mais c'est surtout aussi, par exemple, des applications qui peuvent être spécifiques. Par exemple, pour nous, on a des livraisons où le client demande à savoir les retours qualité qu'il va recevoir et qu'on va lui ramener. Bon, on a mis en place avec Trimble un outil qui nous permet de remonter l'information en direct. C'est-à-dire que le client qu'on livre a un site internet où il va remplir les données de ce qu'il va charger. Et avec la tablette, on va pouvoir lui remonter directement au client les informations du SAV. Donc, si vous voulez, c'est des éléments qui vont nous aider dans l'organisation et le suivi.
Là, ce que vous nous montrez comme interface, si je compare, est-ce qu'on pourrait dire que c'est une interface qui intègre d'autres applications, un peu comme, vous voyez, WeChat en Chine ? Sur une appli WeChat, vous pouvez intégrer dedans votre Skype, votre PayPal, votre WhatsApp, on intègre sur une même interface 30 applications différentes qui sont paramétrées pour répondre. C'est le même principe avec deux réserves. La première réserve, c'est le contrôle des codes de sécurité. On est très attentif à ce qu'il n'y ait aucune faille de sécurité, aucun accès non autorisé. Ça, c'est une priorité. Vous savez qu'il y a des problématiques de ransomware dans toutes les industries aujourd'hui, des transporteurs également qui ont été piratés, qui ont été attaqués par des demandes de rançon. Aujourd'hui, ça, c'est une priorité chez Trimble. C'est qu'on ne laisse rien passer parce que nous sommes garants de la sécurité. On vend un système clé en main à notre client. On est garant de toute l'intégrité des données que l'on va traiter pour notre client. Premier point. Deuxième point, il faut que ça soit des applications professionnelles. Ça aussi, c'est important. On ne va pas mettre du WhatsApp ou des choses comme ça. Ça n'a pas beaucoup de sens. Les conducteurs, aujourd'hui, ils ont tous des smartphones perso. S'ils ont envie de jouer sur de la messagerie ou d'aller sur des sites de jeux, etc., c'est leur problème. Mais ce n'est pas Trimble ou le transporteur qui doit gérer ça. Mais vous pouvez, là-dedans, intégrer de la messagerie pro. On peut, à condition, encore une fois, que ça soit un site sécurisé et professionnel. On peut... Ah, passe pas. Si, voilà. Bon, bien entendu, le suivi des données sociales. Alors là, on voit quelque chose de classique, mais c'est surtout, en fait, nous, ça nous permet, en fin de semaine, d'analyser le temps de travail, l'avancée du temps de travail de nos conducteurs, de pouvoir répartir la charge de travail en fonction de ceux qui ont déjà beaucoup d'heures depuis le début du mois, et de répartir au mieux l'organisation des flux, de limiter aussi, donc de faire aussi des économies, hein, puisque derrière... C'est l'optimisation des heures à 25, des heures normales, des heures à 25, et limiter les heures à 50. Donc tout ça, cet outil va nous permettre. Il va nous permettre aussi, par exemple le jour même, de voir le temps qui nous reste et qu'est-ce qu'on peut éventuellement faire aux conducteurs immédiatement. Bon, ça c'est classique, hein. Assez classique. J'ai beaucoup de mal avec la gestion des slides là. Alors, on va accélérer un petit peu parce que ça aussi, c'est une fonction traditionnelle. Trimble est un des rares éditeurs dans le monde à gérer lui-même. Donc, on a notre propre application de cartographie, d'optimisation de navigation poids lourd. J'essaye d'avancer. Ouais. Alors, on a parlé de l'aspect mobilité, signature électronique des documents, numérisation. Bien entendu, nous sommes prêts pour passer au stade de la ICMR. Juste un mot sur une thématique qui est extrêmement à la mode, évidemment, c'est tout ce qui est autour des co-conduites, l'engagement charte CO2, etc. Là, on a un module pour aider le conducteur, accompagner le conducteur et motiver les conducteurs à se prendre au jeu, justement, de l'éco-conduite. Alors, je vais intervenir parce qu'en fait, c'est un point sur lequel on est très, très attentif. On a un suivi constant. Et en fait, c'est une notation et ça permet au conducteur de se positionner là où il en est, comment il progresse. Derrière, on a notre formateur qui va intervenir en fonction des résultats. Et on a, depuis maintenant 3 ans, quasiment une baisse constante de nos consommations avec un travail de fond. Ça permet aussi, lorsqu'on a des nouveaux conducteurs et actuellement... C'est pas toujours facile d'intégrer des conducteurs qui ont de l'expérience. On a plutôt tendance à intégrer des jeunes conducteurs parce que de toute façon, on n'en trouve plus qui ont de l'expérience sur le marché. Et ces conducteurs ont besoin d'être guidés au maximum, être tenus presque par la main. Et l'outil nous donne une aide technique pour les former, pour les apprendre à devenir des conducteurs matures. Voilà, c'est vraiment un point important. Donc là, c'est très concret. Il y a un avant et un après. Et on voit la baisse des émissions de CO2 et on peut impliquer les conducteurs à participer. Alors, ça a eu des effets non seulement sur la consommation, mais ça a eu des effets aussi énormes sur le garage et sur les frais de réparation. Parfait. On ne va pas tarder à conclure sur votre partie. Je termine. Donc, calcul automatique d'ETA, ça, c'est également une fonction dont on ne parle pas beaucoup
dans le milieu de la télématique aujourd'hui, c'est très important, encore une fois, parce que derrière les transporteurs, aujourd'hui, il y a les chargeurs, il y a l'ensemble de la supply chain, comme on dit. Aujourd'hui, tout le monde a envie d'avoir une information fiable, précise, où se trouve mon chargement, à quelle heure je vais recevoir mon colis. Et Trimble travaille énormément, on est en train vraiment d'investir sur l'intégration des données détaillées pour alimenter en temps réel l'ensemble des parties prenantes de la supply chain. Et j'arrive à mon dernier slide de conclusion. La conclusion, c'est que finalement, Trimble, en tant que solution informatique embarquée, bien entendu, on se positionne au centre, au cœur de la galaxie des opérateurs et notamment toutes les plateformes de visibilité. Comme vous y allez, au cœur de la galaxie. Et, alors, ce n'est pas par hasard, c'est un clin d'œil à Wilfried Mézy également, parce que c'est lui... C'est Wilfried Mézy. J'espère que ce n'est pas déposé d'ailleurs comme... Non, je crois qu'il prête ses blagues assez volontiers. Mais ça illustre parfaitement aujourd'hui toutes les interactions qu'il y a entre les éditeurs d'informatique embarquée et puis tous les autres éditeurs. On a parlé des TMS, mais toutes les plateformes aujourd'hui, la visibilité, c'est ce qui permet de mesurer et d'apporter de la valeur au travail du transporteur. Et cette couche qu'on l'on voit tout autour de Trimble, cette couche, elle est en train de se mettre en place quasiment systématiquement entre nous et nos clients. Et donc, de toute façon, on n'a pas le choix. Malheureusement, peut-être que c'est aussi une problématique importante pour les transporteurs. Il faut se poser les bonnes questions. Mais c'est quelque chose, un passage obligatoire actuellement. Et on est obligé d'y passer. Donc, quand vous avez des clients qui ont des systèmes différents, ce qui est intéressant, c'est que votre logiciel et votre système que vous avez choisi puissent communiquer avec plusieurs systèmes différents. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Donc Fabien Dussert, directeur de Trimble. Est-ce qu'on peut vous trouver sur le salon, si on veut poursuivre les échanges avec vous? Vous êtes bienvenue sur le stand G65. Là, c'est la minute auto-promo, il faut toujours le faire. Merci beaucoup, monsieur Caille. Je vais vous demander de regagner vos places, parce qu'on n'a pas beaucoup de places sur cette scène. Et je vais maintenant donner la parole à notre second binôme. Est-ce que votre télécommande fonctionne bien? Parce que si ce n'est pas le cas, je fais changer les piles. Voilà, c'est parfait. Donc, ce second binôme, c'est le groupe Brégé. Alors, nous accueillons Étienne Henry. Bonjour, Étienne Henry. Donc, vous êtes le DSI pour le groupe Brégé. Tout à fait. Donc, je représente Transport Brégé aujourd'hui à la place de Vincent Lesage, pardon, que vous avez introduit tout à l'heure. Donc, je suis DSI depuis très récemment dans l'entreprise. Alors, essayez de bien coller votre micro sous vos lèvres, parce qu'ici, il y a un petit D'accord. peu une battle. On est plein à parler en même temps et il faut vous faire entendre. Il faut donner okay. de la voix. Et vous êtes avec donc, Serge Gautron. Vous êtes directeur commercial chez AdSecure. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, et ça fait 10 ans que je travaille pour le groupe. D'accord, parfait. Alors, je vous laisse commencer. Je vais essayer de trouver une place pour m'asseoir entre les deux derniers binômes. Donc le groupe Transport Brégé, c'est le spécialiste du collectage des flux amont. Donc c'est un groupe qui a été créé en 1952, donc bientôt 70 ans. D'accord. Donc les chiffres clés, vous les voyez, hein, aujourd'hui plus de 800 collaborateurs, près de 600 véhicules en propre, 11 agences, 4 filiales, dont 2 à l'étranger, Espagne, Portugal. Plus de 30 sites logistiques. D'accord. Donc, nos principales activités, donc, c'est de collecter les flux amont pour l'approvisionnement des usines, principalement dans l'automobile, les plus gros clients. Vous avez automobile, vous avez aussi donc, clients comme Plasticomium, Renault, Daimler, pour ne pas les citer. Donc, nous regroupons sur nos plateformes l'ensemble des flux d'approvisionnement. Et on les redistribue sur les usines de nos clients. Et on leur délivre évidemment dans les temps et avec un maximum d'indicateurs et d'informations qu'on peut collecter tout au long du flux du transport. Oui, alors le groupe AdSecure, on est un des acteurs majeurs en Europe. Je vous laisse découvrir les chiffres. On est présent aujourd'hui dans 12 pays en Europe. La partie
La partie transport représente aujourd'hui 440 employés et plus de 5000 clients en Europe. Voilà, on est spécialisé dans toute sa généralité sur tous les aspects de l'informatique embarquée. Et très axé aujourd'hui, j'ai beaucoup entendu parler de... On a parlé beaucoup de tablettes. On va dire qu'aujourd'hui, 80% de nos ventes, on va en parler avec Brégé, puisque... une des volontés de Brégé était un petit peu la transformation, un petit peu d'aller vers le digital. Et aujourd'hui, 80% de nos ventes va vers de l'application mobile. On a de la tablette, on a des écrans mobiles. Aujourd'hui, le choix du groupe, c'est la mobilité. C'est laisser le choix à ses clients de choisir sa mobilité et de la maîtriser. Avec notre application mobile, hein, puisque au-delà, dans la transformation digitale, au-delà de travailler avec AdSecure, nos clients ont besoin aussi de travailler avec d'autres partenaires, de communiquer et de travailler avec bien évidemment avec ses chauffeurs, de travailler aussi avec de la sous-traitance, avec des sous-traitants. Régulier ou occasionnel, et notre mobilité et notre application mobile permet de le faire. Donc Serge Gautron, ça fait un virage, c'est moi, pardon, qui me parle, c'est moi. Par rapport à l'ADN en fait d'AdSecure, on est quand même bien au-delà de la sécurisation des bâtiments, des alarmes, des réseaux électriques. Là, on est vraiment sur du mobile et de l'appli mobile professionnelle et des systèmes embarqués professionnels. On est une des activités du groupe, anciennement et depuis quelques mois, ça doit représenter à peine un an. C'était en juin 2000 de l'année dernière où le groupe a décidé au-delà de Veko, puisque on connaissait Veko, on était la seule branche du groupe. À ne pas avoir les déclinaisons AdSecure. Hein, donc aujourd'hui, le nom du groupe, c'est AdSecure Smart Transport. C'est la partie transport d'AdSecure. On va dire que toutes les expertises et les différents métiers du groupe nous aideront demain dans la progression et la sécurisation, puisqu'on en parle vous beaucoup. Vous avez les compétences en interne dans le groupe, du coup, pour développer plus vite ce type de système, je suppose. Complètement. Oui. Alors, c'était quoi le besoin à adresser du groupe Brégé? Écoutez, le besoin, alors déjà, c'est un partenariat de plus de dizaines d'années avec AdSecure. Le besoin, au départ, comme tous les transporteurs, c'est d'aller collecter un maximum d'informations, donc y compris les données sociales, les données du transport, les heures de départ, les heures d'arrivée, les documents liés au transport, les preuves de livraison. Donc c'est l'ensemble de la chaîne qui a besoin de digitalisation, hein, c'est pas juste quelques informations. Donc on se connecte au plus tôt avec l'ensemble de nos clients, on essaie de s'interfacer et justement d'éviter toute ressaisie d'informations. Donc pour ça, effectivement, AdSecure, c'est un partenaire de choix pour toute la partie justement embarquée. Donc initialement embarquée au sens tablette fixée dans les camions. Et comme disait Serge tout à l'heure, on a évolué vers une informatique plus agile, puisque maintenant on est sur du mobile. Donc l'idée, c'est d'aller encore plus loin maintenant et de continuer à faire déjà ce qu'on faisait, le faire bien, mais en même temps d'aller aussi... sur la collecte des informations qui étaient annexes, par exemple prise de photos, demain peut-être scan de palette, etc. Un certain nombre d'informations ad hoc au transport qu'on n'avait pas encore pu collecter aujourd'hui. On est avec Brégé. Brégé est une entreprise qui est extrêmement, énormément intégrée. Donc avancer et continuer l'histoire avec Brégé, c'était des mois de travail avec eux en permanence sur des dossiers, sur ce qu'on appelle des gros dossiers tant stratégiques qu'importants comme Brégé.
au-delà de travailler de manière assez basique avec un commercial et un chargé de projet, on travaille avec une équipe derrière. C'est un commercial, c'est un chargé de projet, c'est un responsable back-office, un responsable support, un chef de produit. En gros, on travaille à 5 personnes sur des dossiers brégés. C'est vraiment une équipe. 6-8 mois de réunion régulière. C'était beaucoup de travail, oui. Pour mettre au point un système... Parce que le groupe Brégé, depuis des années, est extrêmement intégré et avec un gros travail des équipes SI chez eux. Ouais. Ce que je peux ajouter là-dessus, c'est que la politique de Brégé, c'est de collecter en fait toutes les informations disponibles. On les collecte, on les intègre en temps réel dans notre TMS, qui est un développement interne. Et pour certaines données, on a déjà aujourd'hui l'usage. Et pour d'autres, peut-être que demain, des nouvelles réflexions, peut-être de l'intelligence artificielle, peut-être d'autres briques encore viendront pour exploiter un passé de plusieurs années, j'allais dire de mégaoctets, voire de téraoctets de données. J'ai une question à vous, monsieur le DSI, sur ce sujet des données. D'ailleurs, je vais animer plus tard une autre table ronde sur les data. Cette obsession de la data, en fait, il paraîtrait que dans le secteur de la supply chain, en fait, il n'y a même pas 15% des data qui sont à haute valeur ajoutée. Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Et est-ce que toutes ces milliards de données, est-ce qu'elles ont tant de valeur que ça, finalement? Alors ça, c'est la grande question. On peut avoir des convictions. J'ai à peu près la même. Alors les chiffres, on ne va pas se battre sur les chiffres. Ça, j'en ai aucune idée si c'est 15%, 20% ou autre. En tout cas, j'ai la conviction qu'effectivement, il y a un gisement de données très important et une interconnexion en fait qui n'existe pas. Si on prend, je veux dire, les données au sens de big data, hein, parce que c'est assez à la mode, on peut rapidement se dire que entre les données, par exemple, du train, les horaires, les transports, si on interconnectait tous les TMS des transporteurs, plus les initiatives locales, demain. Véhicules électriques, etc., les navettes, peut-être l'avion. Je pense que déjà, au niveau transport, il y a moyen de transporter encore mieux, c'est-à-dire avoir encore des véhicules ou des camions ou des trains encore plus complets et en mettre moins sur les routes, puisque c'est aussi un impératif écologique. Et nous, en tant qu'organisateur, à la limite, que ce soit organisateur de transport, que ce soit quelqu'un d'autre qui transporte à notre place, ce n'est pas très grave. L'essentiel, c'est transporter mieux. Et j'ai dit rouler moins pour transporter plus. Donc le gisement de données, oui, peut nous aider à ça. Au-delà de le travail qu'on peut faire aussi sur l'intelligence artificielle, sur le calcul de TA, qu'on évoquait tout à l'heure. Là aussi, je pense qu'il y a beaucoup à apprendre des données du passé pour demain se dire qu'effectivement, un camion qui se trouve à tel endroit, à telle heure, potentiellement entre les données sociales, le temps de bon repos, les arrêts qu'il a encore à faire et éventuellement même le niveau de réservoir de carburant pour anticiper un plein à faire, on pourra comme ça affiner encore plus les calculs demain de l'ETA par exemple. Mais basé sur des données qui aujourd'hui sont à mon avis gigantesques effectivement et non exploitées. Donc on ne pourra pas revenir en arrière finalement. Les transporteurs, ils sont, alors j'allais dire condamnés, c'est horrible comme mot, mais ils sont dans cette accélération et il faut en être. On ne peut pas ne pas utiliser de système d'informatique embarqué pour pouvoir se développer correctement sur les prochaines années. On ne pourra pas débarquer nos partenaires, ça c'est sûr. On aura toujours besoin d'eux. Il n'a pas l'air inquiet votre partenaire, je trouve qu'il a l'air plutôt, plutôt serein. Mais là, c'est quand même une difficulté, c'est qu'on peut faire le choix d'un partenaire, c'est ce qu'on a fait, c'est ce que tout le monde fait, mais globalement, on s'aperçoit que c'est quand même un écosystème où il faut tous être interconnectés. Donc on ne peut pas demain rester tout seul dans notre coin, on est obligé aussi de faire partie de ce grand monde du transport et de cette interconnexion nécessaire. Ouais, c'est vraiment un travail collaboratif, ouais. Pardon, excusez-moi, je suis en train de... Je disais que c'est vraiment un travail collaboratif. On travaille vraiment en équipe. Et quand je dis en équipe, c'est pas que nous et que eux, c'est un travail commun en équipe. Oui, c'est cette... C'est un accompagnement et une projection sur la durée. Et puis ça prend du temps, je suppose, de mettre au point des systèmes comme ça. Donc oui. Vous avez le temps de vous faire
un sacré nombre de rendez-vous et de visio pour avancer sur ces sujets. Alors, merci beaucoup à tous les deux. Merci. Donc, AdSecure, groupe Brégé, donc transporteur et partenaire technologique, puisque c'est comme ça qu'on vous appelle. Je vais maintenant donner la parole. Ça va, vous allez bien ? Ça va, merci. On est plus nombreux, on est très nombreux sur cette scène. Alors, maintenant, on va donner la parole à notre binôme. Victor Gonzalez, encore merci d'être avec nous, parce que je sais que vous avez fait de la route. Donc, vous êtes directeur de GoEvia, qui s'appelait GLS auparavant, c'est bien Exactement. Ça ? Exactement, qui est une entreprise girondine de transport routier de marchandises. Et j'ai la spécificité d'être transporteur, mais aussi éditeur, puisque je viens aujourd'hui avec une double casquette, celle de directeur général des transports GoEvia, mais aussi fondateur de Barry, l'application des transporteurs. Donc vous avez un pied de chaque côté, et vous êtes aux côtés de Rémi Vallet. Bonjour. Bonjour, vous êtes directeur des opérations de Xeric. Oui, voilà, tout à fait. Donc Xeric est un éditeur de TMS depuis 1987. Donc nous éditons les TMS, nous avons un WMS, nous équipons aussi la quasi-totalité des réseaux de transport de palettes indépendants, de transporteurs indépendants en France. Nous sommes plateforme EDI aussi, où tous les messages EDI de transport et de logistique passent par nos serveurs, ce qui nous permet d'être au cœur de la normalisation et de bien comprendre les processus des TMS et de pouvoir communiquer avec l'ensemble des TMS du marché. Et puis nous sommes aussi éditeurs de la solution PFM, qui est une solution qui est portée par les transporteurs indépendants, qui se charge de la collecte des palettes Europe et surtout d'éviter de transporter du bois dans les tractions et d'aller collecter les palettes sur les lieux de livraison pour les redonner chez les donneurs d'ordre qui sont dans la même zone de distribution. Alors comment s'est fait les débuts de votre partenariat, de votre rencontre ? Alors, Transport GoEvia, c'est une entreprise de transport qui est déjà beaucoup plus jeune que celle de mes confrères, puisque mon père l'a créée en 2001. Donc, c'est une entreprise qui a tout juste 20 ans et qui a très rapidement rejoint le groupement de transporteurs Evolutrans et est devenu membre du produit Volupal en étant distributeur concessionnaire des départements 33 et 17 et la plateforme Étoile Sud-Ouest pour le compte du groupement. Comme Rémi le disait, Xeric accompagne la majorité des groupements en France avec leur solution d'interconnexion. Ah oui, c'est en rejoignant Evolutrans, finalement, Exactement. Que vous avez été en contact avec les services de Xeric. Tout à fait. Xeric était le partenaire du réseau, et donc c'est tout naturellement, quand on a dû informatiser l'entreprise, qu'on a sélectionné ce même partenaire pour être nativement interfacé avec les 60 PME avec lesquelles nous travaillons au quotidien. Alors, on voudrait rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, parce que vous avez quand même pas mal de solutions différentes. J'aimerais qu'on puisse un peu les détailler. Est-ce que vous pouvez nous parler de TMS et de gestion des ordres de transport ? Contrairement à nos amis de l'informatique embarquée qui se concentrent au camion et à la distribution à la collecte, pour nous, la traçabilité, c'est l'ensemble de la chaîne du transport, aussi bien la collecte que la livraison, mais tout ce qui se passe en intermédiaire. Et toutes les plateformes de cross-dock qui est au milieu, pour nous, nous avons des solutions à travers les réseaux de transport ou à travers nos TMS, sur lesquels on fait aussi du pointage en entrée et en sortie de plateforme ou de quai. Donc on va générer, donc notre TMS gère aussi bien les parties, toute la gestion de transport. On est vraiment au cœur du système d'information. On récupère toutes les données essentiellement par EDI des donneurs d'ordre qui sont intégrés dans les TMS. On va gérer toute l'exploitation, donc la partie planning, plan de transport, gestion des collègues, gestion des livraisons, etc. Toute la partie cross-dock aussi au niveau du quai, gérer les entrées, les sorties de quai, les passages à quai. Et toutes les informations que nous allons collecter à chaque rupture de la chaîne du transport vont venir alimenter le TMS et surtout vont alimenter nos bases tracing pour qu'un donneur d'ordre puisse avoir accès à son ordre de transport et verra toute la chaîne et tout le suivi de ces unités de manutention au niveau des pointages complets. Ce qu'il faut retenir, je pense, dans notre partenariat avec Rémi, c'est l'histoire d'une PME qui a pu grandir, qui est passée il y a moins de 20 ans d'une entreprise artisanale familiale avec 7 salariés à aujourd'hui une entreprise à dimension industrielle qui est capable d'accompagner des enseignes nationales et internationales sur plusieurs métiers, de la messagerie urbaine à la logistique intégrée ou de la distribution nocturne en SaaS avec des besoins de traçabilité très spécifiques. Et donc on a su grandir, intégrer 30% de croissance par an depuis plus de 20 ans en intégrant progressivement toutes les solutions d'informatisation qu'on a vues plutôt avec nos confrères,
mais que Xyric a su nous proposer ces 15 dernières années. Alors, est-ce que vous trouvez que ça change le rapport au métier ? Est-ce que pour ceux qui sont sur le terrain, ceux qui sont les transporteurs, ceux qui sont les conducteurs, est-ce que toutes ces solutions, elles sont... Alors, on a vu tout à l'heure qu'elles étaient plutôt bien vues et en plus bien acceptées, mais est-ce que ça rend le métier plus attractif ? Est-ce que le fait que d'avoir des gens plus jeunes, est-ce qu'ils sont plus à l'aise avec ces outils-là ? Je pense que, surtout au niveau des conducteurs, la traçabilité et la mobilité sur les smartphones, ça fait 15-20 ans que ça existe, ça, depuis le début des smartphones. On le voyait beaucoup dans le monde de la messagerie, dans l'express. Sur le lot, le demi-lot, la palette, ça n'existait pas beaucoup. Et il y avait beaucoup de conducteurs qui faisaient de la distribution, qui étaient un peu frustrés parce qu'ils voyaient des collègues à eux qui avaient des outils modernes, qui utilisaient des smartphones et tout ça, ce qu'ils utilisaient tous dans la vraie vie. Et eux, ils allaient encore livrer avec le papier, le stylo, signer les bordereaux de tournée, compagnie. Et le fait d'être équipé, d'avoir des smartphones et tout, ça les a valorisés. Ils se sont dit, enfin, on a des outils numériques, aussi bien que nos exploitants, on a des outils numériques, des outils modernes, qui nous permettent de travailler normalement comme des jeunes, et surtout avec des interfaces qu'ils maîtrisent, parce que toutes les applications qui sont faites sur smartphone, c'est fait avec des interfaces qui sont naturellement utilisées par les conducteurs, il n'y a pas besoin de formation, ils savent utiliser ces outils-là, les interfaces, ils les manipulent facilement. Mais là, vous répondez à la question suivante que j'allais vous poser, c'est que si la prise en main est un peu instinctive, il n'y a peut-être pas besoin de faire des heures de formation avec toutes les équipes. Finalement. Il n'y a plus de formation aujourd'hui, à part quelques conducteurs qui seraient un peu réticents. Aujourd'hui, ces outils-là sont vraiment pris en main de façon naturelle. Alors vous, votre solution, elle est reconnue, elle est partagée par beaucoup de transporteurs. Vous êtes pas des... Nous, elle est partagée par beaucoup de transporteurs, donc aussi bien nos transporteurs qui utilisent nos solutions TMS. Comme on est au cœur du système d'information, on a toutes les données, donc on peut les passer facilement à la mobilité, donner des informations importantes et intéressantes aux conducteurs. On en a parlé, les téléphones, les adresses, les instructions spéciales, les protocoles de sécurité. On a aussi mis en place pour certaines applications spécifiques, notamment des gens qui transportent des matériels sensibles au niveau valeur, notamment dans des zones blanches où il n'y a pas du tout de communication GPS, il n'y a pas de téléphone. On a mis en place des puces NFC et les conducteurs vont taguer avec leur téléphone l'endroit sur lequel ils vont bien déposer ou chercher des palettes pour être sûr qu'ils sont bien au bon endroit. Donc là, on est vraiment à 100% de sécurité. On peut parler aussi de livraison en SaaS. Donc la mobilité nous a permis vraiment de mettre en place des tas de technologies et nous a ouvert un champ des possibles, pas dire immense, mais important, et qui nous permet de traiter différentes activités. Alors, merci beaucoup. On revient sur vous, Victor Gonzalez, parce que je crois que vous avez, donc on a dit, deux casquettes. Hein. Vous êtes là pour en tant que directeur de Goevia, donc entreprise de transport, et en même temps, vous êtes un entrepreneur start-upper ambitieux, donc vous avez un pied des deux côtés. Vous êtes à la fois un transporteur et à la fois, on pourrait dire, un éditeur de solutions intelligentes. Alors, vous allez nous parler de Barry. Oui, exactement. Barry, donc l'application des transporteurs. Concrètement, ces 20 dernières années, en travaillant avec Rémi, on a réussi à adresser des clients grands comptes à l'échelle nationale, à l'échelle internationale. On a pu s'interfacer avec plusieurs dizaines de confrères en France et en Europe de par notre participation au réseau Evolutrans. Il manquait, selon nous, un élément à notre commerce en tant que transporteur. Vous parliez tout à l'heure d'attractivité du métier. Je ne suis pas certain que ce soit le camion, la tablette ou une publicité avec un chauffeur, un conducteur qui a le sourire qui va rendre de l'attractivité à notre métier. Et c'est plus la valeur qu'on va être capable d'y mettre. Ce qu'on s'est rendu compte, c'était que ces dernières années, les clients, les gros chargeurs nationaux, internationaux, nous offraient la possibilité de dimensionner notre entreprise, mais avaient une forte pression sur les marges, sur les prix, de par notre concurrence, et qu'on avait de vraies difficultés à s'adresser à des petits chargeurs, des petits clients de proximité. Alors, comme disait mon père, il n'y a pas de petits et de gros clients, il n'y a que des gens à satisfaire. Et toutes ces technologies de supply chain visibility, de remontée d'informations qui sont particulièrement techniques, échappaient totalement aux petits chargeurs du quotidien. Moi, je viens du secteur du bordelais. Vous avez eu envie d'adresser cette couche un peu intermédiaire qui était un petit peu passée à la trappe sur ces solutions-là. Exactement. Il nous fallait diversifier notre portefeuille client, améliorer nos marges, faire grandir notre entreprise et la moderniser. On a donc créé Barry, qui est la première boutique e-commerce, marque blanche et clé en main, qui vient se greffer au site internet du transporteur et lui permet de vendre lui-même directement son offre depuis le site internet.
Ah oui, donc ça rend le transporteur plus indépendant. Exactement. C'est ça je crois, si vous êtes d'accord, on va faire une petite. Si vous le voulez. Magnéto Serge, s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait avoir le film Barry? Donc ça s'écrit B-A-R-Y, c'est ça? Barry.app, tout à fait. On peut déjà la télécharger dans les stores? Non, pas encore, mais je. Ça va venir. Ça va venir. Ça va venir. Barry, c'est une application qui vient se connecter. Alors là, elle porte les couleurs de Barry, mais elle peut porter la couleur de n'importe quel transporteur. Typiquement, cette application, elle est branchée chez moi parce que j'étais le premier laboratoire à la porter. Donc, elle porte les couleurs de Goevia, elle porte l'offre de Goevia. Elle est connectée à son TMS, donc à toute l'architecture que Xyric a pu mettre en œuvre en place ces dernières années. Et elle est aussi connectée directement au compte en banque du transporteur, ce qui permet à Transport Dupont, Transport Durand et Transport Goevia de disposer de toute la technologie des plateformes modernes de mise en relation digitale, mais cette fois-ci sans intermédiaire, sans commission, directement connecté à son client. Barry a la particularité aussi d'accompagner les transporteurs sur leur marketing digital, parce que d'avoir une boutique e-commerce, c'est bien, mais d'avoir une visibilité régionale, c'est mieux. Et donc Cindy, qui me prend en photo aujourd'hui, accompagne des transporteurs à se transformer digitalement, à aller chercher sur son secteur géographique les marchés, les secteurs d'activité, les opportunités business qu'on a bien souvent sous-estimé ces 15 dernières années. Et Goevia a fait le choix d'aujourd'hui ne plus s'adresser à des clients à 1 million d'euros de chiffre d'affaires, mais de s'adresser à 1000 clients à 1000 euros, avec autant d'agilité, avec autant de technicité. Donc je peux dire à Monsieur Kay, non, ce n'est pas pour vous, c'est ça? Si Monsieur vous Kay pouvez tout à fait lui dire que c'est pour lui. Il faut que vous trompez complètement. Si on a 170 ans, c'est parce qu'on a dû se remettre en question des centaines de fois, et sinon on n'existerait pas. Et quand on vous a présenté tout à l'heure, il y a une nouvelle activité qui est l'archivage avec la numérisation, etc. On a mis en place exactement ce même système pour des clients, pour des petits clients d'archivage, et on s'attaque à des niches, etc. Je trouve au contraire l'idée... Qu'est-ce que vous pensez de son idée? Non seulement ce n'est pas une idée, je trouve que c'est très très bien. Et ce n'est pas parce que je suis installé que je n'ai pas cette ouverture, au contraire. Et il faut avoir cette ouverture, sinon on n'existera pas dans 10 ans ou dans 20 ans. Parce que c'est vrai aussi que la marge, elle ne se fera pas obligatoirement sur nos clients principaux. Et les petites PME industrielles, les petites PME qui ont besoin de transport, ont le droit aussi d'avoir ce type de prestations. Au contraire, vous voyez, contrairement à ce que vous pouvez penser. Donc il n'y a pas d'opposition, c'est parfait. Pas du tout. Entre les gros, les moyens et les plus petits, c'est sur quel secteur? Alors géographique à peu près? Alors, Goevia est une entreprise girondine, mais Barry peut se connecter à n'importe quel transporteur. On accompagne des transporteurs en Mayenne, en région parisienne, en Auvergne. On accompagnera bientôt Evolutrans Solutions qui est ici. Donc, les 60 transporteurs interconnectés bénéficieront d'une boutique e-commerce qui permettra de vendre directement et valoriser le travail de ce réseau, le travail formidable de ce réseau, qui est le premier réseau d'indépendants de France, juste derrière Astre, en termes de nombre d'entreprises, mais juste devant en termes de volume de palette. C'est vrai qu'on connaît bien le classement, on est au top 50, c'est parfait. Et donc on accompagnera Evolutrans Solutions à sa transformation digitale, toujours en s'appuyant sur le savoir-faire technique et la précision du système d'information mis en place et construit ces dernières années par Xyric, mais cette fois-ci pour mettre de la valeur et commercialiser directement là-dessus et offrir toute la traçabilité aux clients, peu importe leur dimension, qu'ils aient... une plateforme de supply chain visibility, qu'ils aient un ERP capable de relire cette remontée d'informations ou non, et auquel cas ils pourront sur leur smartphone commander un transport, recevoir la facture, payer en ligne avec une expérience utilisateur user friendly et particulièrement agile, disposant de toute l'agilité des produits web modernes. Est-ce que vous avez eu cette idée aussi parce que pendant la période du Covid, du confinement, le e-commerce a explosé? Ou alors est-ce que vous aviez, dans votre expérience professionnelle, déjà constaté des besoins chez les plus petits transporteurs? Alors, cette idée, elle n'est pas née pendant le Covid. Barry est né en juin 2019. Mais forcément, le Covid a accéléré le développement le déploiement de l'application. Quand on a racheté l'entreprise familiale avec mes frères en 2016, ça a fait beaucoup de mal à mon père, mais on lui a dit que l'entreprise, elle avait peu de valeur. On avait deux clients qui pesaient plus de 50% du chiffre d'affaires, et tout le reste était que du chiffre d'affaires confrère.
Donc on était sous-traité par des commissionnaires de transport pour aller ramasser parfois une palette chez notre voisin ou un chef d'entreprise qu'on connaissait. Mais on n'avait pas les outils agiles pour s'adresser à lui. On a très vite compris avec mon frère qu'il fallait qu'on émancipe l'entreprise de ses deux principaux clients qui pesaient plus de 50% du chiffre d'affaires. Donc on a rapidement mis en œuvre un commerce grand compte pour aller chercher ses enseignes nationales et internationales. Et puis ensuite, on s'est rendu compte que ce n'était pas là-dessus qu'on allait faire notre marge. Et donc il fallait adresser cette fois une autre typologie de clients. On avait une dimension qui nous permettait d'avoir un outil industriel, mais il nous fallait maintenant construire des marges. Et c'est avec cette démarche de commerce de proximité, avec cette démarche de digitalisation et d'automatisation des processus, pour adresser 1000 clients à 1000 euros de la même manière qu'on adresse un client à 1 million, qu'on est en train aujourd'hui de construire, on l'espère, l'ambition qu'on avait pour notre entreprise. Ça fait 8 mois que la solution Barry est déployée chez les transports Goevia, et cela représente déjà 4% de notre chiffre d'affaires, avec l'ambition de faire demain 20% de notre chiffre d'affaires sur des clients de proximité, avec des taux de marge bien meilleurs et une visibilité qui nous ancre dans notre région, quoi. Bon, en tout cas, vous avez l'air enthousiaste et content du lancement et du début. Je vais revenir sur un point technique. Rémi Vallée, est-ce que le fait d'adresser des plus petits transporteurs, ça change quelque chose au niveau des critères, au niveau des besoins ? Non, pour moi, ça ne change pas, parce que les petits transporteurs travaillent avec une multitude de gros donneurs d'ordre ou de petits, mais travaillent aussi avec des gros transporteurs qui ont des attentes fortes et surtout qui ont besoin d'avoir un langage commun entre eux pour communiquer. Ce langage commun, pour moi, il passe par la normalisation. La normalisation qui est éditée, qui est travaillée au niveau du GTF, du groupement de travail des transporteurs français. Et ça, c'est, pour moi, c'est hyper important, parce que n'importe quel petit transporteur, il n'y a pas de petit ou de gros, mais de transporteurs plus modestes, qui n'a pas forcément les moyens techniques ou financiers de s'adresser à ces gros donneurs d'ordre, à travers nos outils ou à travers les outils des groupements de palettes, on a parlé de Astre, on a parlé d'Evolutrans qui sont nos clients, peut s'adresser à des très très gros donneurs d'ordre avec un langage commun sans avoir besoin de s'équiper d'outils très chers chez eux. C'est le cas de Barry aussi, on fait une plateforme digitale, mais derrière, ils s'appuient sur toute la normalisation autour de nos outils pour communiquer avec d'autres qui peuvent être des transporteurs ou des gros donneurs d'ordre qu'on connaît en France ou en Europe. Merci beaucoup. Je vais... Vous voulez ajouter quelque chose ? Non, je vous sentais au taquet, comme ça je l'ai senti. Alors ça va bientôt être la fin de cette table ronde. Je voudrais juste, avant de conclure, demander à chaque binôme que vous me fassiez chacun une phrase de conclusion sur comment vous envisagez la traçabilité et le transport d'ici 5 ans. Pas fastoche, hein, j'aime bien faire ça à la fin. Là, je vous vois vous gratter un petit peu la tête. Notre thème de table ronde, c'est les routes de la traçabilité. Donc, ça fait assez futuriste. Là, on a eu 3 interventions. Un transporteur avec son partenaire logiciel ou informatique embarqué. Monsieur Caille. Moi, ce que je dirais, c'est que notre métier, c'est de donner du service à nos clients. Et la traçabilité, c'est un moyen de plus en plus puissant pour donner ce service autrement à l'ensemble de nos clients. Et je reviendrai un peu sur la dernière présentation. L'ensemble de nos clients, ça veut dire aussi bien nos petits clients que nos clients importants. Merci beaucoup, Monsieur Gautron. Serge Gautron de AdSecure. Écoutez, notre rôle dans les prochaines années, ça va être d'accompagner nos clients. Bien évidemment, vers les clients et d'accompagner aussi nos clients transporteurs et les aider à encore être mieux, à encore travailler vers le confort, on va dire, puisque c'est un gros souci. On va dire que c'est un sujet aujourd'hui, c'est les accompagner vers tout ce qu'on peut leur apporter pour le confort, l'utilisation et l'accompagnement des conducteurs aussi, du personnel. Merci beaucoup. Monsieur Dussert, vous êtes là ? Vous vous êtes délocalisé à l'autre bout de la scène, mais écoutez, c'est tellement grand que... Comment je vois les routes de la traçabilité à 5 ans ? Moi, je pense que je vais décevoir certaines personnes dans l'auditoire. Ça passera pas, à mon avis, par les travaux sur la normalisation, les échanges normalisés. Rémi disait, ça existe depuis longtemps via l'EDI, les travaux du GTF, etc.
Mais les enjeux des échanges de données dans la supply chain, ils sont bien plus vastes, bien plus larges que ça. Chez Trimble, nous sommes convaincus qu'on doit continuer à rester au centre de la galaxie, comme je disais tout à l'heure, à travailler individuellement avec tous les acteurs. Alors, c'est un travail énorme. Il faut accepter de sans arrêt découvrir de nouveaux acteurs, remettre en place, redévelopper de nouvelles interfaces. Mais encore une fois, je répète, à 5 ans, ça ne sera pas la normalisation qui va nous aider. Donc malheureusement, il faut continuer en permanence. C'est des équipes, c'est des ressources, c'est des travaux complexes, mais on n'a pas le choix. Merci pour votre point de vue. Étienne Henry, monsieur le DSI, alors, groupe Brégé, comment vous voyez les choses? Bah écoutez, forcément, avec une orientation technologique. pour faire un peu d'image, les routes de traçabilité, si vous prenez la cartographie, vous avez des autoroutes, des voies rapides qui sont déjà pas mal explorées. Et puis après, vous avez le réseau secondaire et les petits chemins. Si vous mettez ça à l'échelle des transporteurs, en fait, effectivement, chacun va continuer, dans ma vision, à œuvrer avec ses données et à apporter ses informations de traçabilité. Mais on aura toujours besoin, en fait, d'un tiers de confiance pour normaliser, alors même si vous n'êtes pas d'accord avec la normalisation, mais au moins pour certifier que la traçabilité est bonne. Et pour ce tiers de confiance, moi je vois quelque chose comme un peu la blockchain, vous savez, dont on parle pas mal, Bitcoin, etc. Excusez-moi, monsieur Henry, je vous invite, j'anime la conf sur la blockchain mercredi, donc rendez-vous en salle Neptune, je vous donnerai le... Et on a des intervenants qui n'ont pas du tout le même point de vue sur l'avenir de la blockchain dans le secteur des transports. Donc c'est aussi pour ça que c'est assez intéressant, c'est que les experts sont pas sur un consensus sur quels usages, blockchain fermée, blockchain ouverte, ils ne sont pas d'accord. Pour la traçabilité, pour les flux financiers, à quoi on applique la blockchain? Il y a beaucoup de polémiques. Donc c'est il y a plusieurs voies. Il y a plusieurs voies. Donc voilà, je ne sais pas quelle sera la voie retenue, mais la blockchain est une réponse. Alors effectivement, il y a plusieurs technologies, il y a plusieurs dollars d'ordre. Ça marche sur le Bitcoin, hein, parce qu'à la base, c'est ça qui est derrière. Ah, parce que vous voulez qu'on fasse la table ronde blockchain maintenant? J'aurais dû vous inviter comme... Vous en pensez quoi? Est-ce que c'est... Je pense que c'est un moyen, en tout cas aujourd'hui, qui peut être fiabilisé et qui peut permettre à chacun de s'y retrouver, de se dire que la traçabilité, finalement, de chacun est peut-être la bonne, plutôt que d'essayer d'avoir un organisme au-dessus de tout ça pour fédérer. Et voilà, faisons confiance à tous les transporteurs avec les informations de traçabilité avec leurs partenaires et mettons juste un tiers de confiance qui peut être une blockchain ou peut-être une autre solution qui n'existe pas aujourd'hui. Votre avis, monsieur Gonzalez, qui avait parcouru tant de kilomètres pour venir avec nous, comment vous voyez votre métier à 5 ans, d'un point de vue transporteur et d'un point de vue éditeur de solutions? Puisque là, maintenant, vous faites les deux. Si je dois reprendre le thème sur la traçabilité, j'aimerais qu'elle soit au service de la valeur. Ces informations, la remontée d'informations... Ça fait des années qu'on le fournit à nos clients et ça ne nous a pas rendu plus riches. Au contraire, aujourd'hui, il y a des solutions qui viennent s'intégrer entre nous et nos clients. Et là où on renvoyait une information brute qui était traitée par l'ERP du chargeur, aujourd'hui, sa mise en forme dans un tableau de bord de business intelligence, elle a enrichi un éditeur au milieu, mais elle ne nous a pas enrichi, sinon appauvri nous, transporteurs. Donc si je peux faire un vœu à 5 ans, c'est que cette traçabilité elle soit au service de la valeur. La pénurie de main-d'œuvre dans notre industrie, c'est un sujet qui est préoccupant. Et c'est qu'en ramenant de la valeur sur l'outil de production qu'on trouvera, je pense, des solutions à ce problème pénurique. Merci bien, Victor Gonzalez. Monsieur Rémi Vallée, how is the future? L'avenir. Pour moi, si on veut faire vite, il se qualifierait en deux mots, l'ouverture et de la normalisation. L'ouverture des systèmes, parce qu'aujourd'hui, un système d'information, un transporteur ne peut plus le garder pour soi, il est obligé de l'ouvrir à l'ensemble du marché, aussi bien à ses donneurs d'ordre qu'à ses partenaires. On parle d'informatique embarquée, on peut parler de plateformes collaboratives et tout ça, mais pas n'importe quelle ouverture, c'est donner la bonne information à son partenaire.
peux prendre un exemple, par exemple. Ce n'est pas forcément de donner le positionnement GPS du véhicule toutes les deux minutes qui est intéressant, c'est plutôt de donner le théâtre, savoir si le véhicule va bien arriver ou pas, par exemple. Et puis, le deuxième sujet, j'avais dit, ouverture et normalisation. Normalisation, Fabien, c'est quand même hyper important pour moi, pour les gens qui éditent des systèmes d'information, parce que ça permet de ne pas réinventer n'importe quel process, de définir des process standards, de ne pas avoir à changer l'architecture de tous les systèmes d'information. Et puis cette normalisation aussi, elle donne des codes, et notamment dans les statuts de remontée d'information, ça définit bien les responsabilités en cas de litige, qui est responsable, etc., de pouvoir avoir vraiment un langage commun entre tous les partenaires, et pour moi c'est hyper important, plutôt que de chacun réinventer la roue. La chaîne de responsabilité dans ces métiers-là, elle est quand même décisive, c'est de savoir qui est en charge de quoi et à quel moment sur la chaîne. C'est bien que vous soyez peut-être pas tous d'accord. Alors je vais conclure en disant que en épidémiologie, en virologie, vous avez vu, il n'y a pas consensus. Donc je me dis que c'est peut-être pas mal si en termes de transport et d'informatique embarquée et de système intelligent, il y a plusieurs pistes de réflexion. Je vous remercie beaucoup pour ce forum des transporteurs. Merci. Merci bien. Alors, merci. Merci bien. Merci à tous. Alors, monsieur Bertrand Caille pour le groupe Caille, Vincent Lesage, groupe Brégé, qui est remplacé par monsieur le DSI, Serge Gautron d'Adsecure, merci beaucoup, Rémi Vallet et Victor Gonzalez. Merci à tous.